Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On rentre des cours et ça faisait un moment qu'on n'avait pas été en cours, ça fait un peu bizarre. Hop, on va être prudent. Donc aujourd'hui on va parler de la petite semaine qu'on va passer la semaine prochaine, enfin ou cette semaine peut-être ce qu'on va passer. Je vais essayer de vous faire, on arrive à Noël et il y a des réductions un peu partout et peut-être des gens, voilà, vu que quand même un hoverboard ou une gyro-roue, une trottinette électrique, ça c'est quand même un budget. Il y a peut-être des gens voilà, qui hésitent entre plusieurs modèles ou qui hésitent à s'acheter pour Noël en fait. Et vu qu'il y a des offres, il y a peut-être des gens qui vont acheter, il faudrait pas qu'ils sombrent dans leur achat. Donc je m'étais dit, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs choses. Je vais vous parler de ce que j'ai testé, même de ce que je n'ai pas testé, à mes yeux, les avantages et inconvénients. Donc je vais vous parler de chaque truc en détail. Donc c'est pour ça, là je vous fais une petite vidéo explicative. Et du coup, toute cette semaine, vous aurez tous les jours une vidéo sur un moyen de transport différent. Donc, en fait, voilà, je vous présente le concept. Tous les soirs, je vous ferai une vidéo. Je vous présenterai, je pense, le vélo, trottinette. Même si le vélo, ça paraît évident, mais voilà, avantages, inconvénients. Trottinette, gyro-roue, hoverboard, gyropode. Je pense que ce sera tout. C'est pas mal, ça fait 5 vlogs. Et ensuite, à la fin, je vous ferai donc une vidéo. Vu que la vidéo pourquoi une gyro-roue avait beaucoup plu, je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai, après avoir parlé des 5, quoi choisir pour quelle occasion. Un petit bilan à la fin. Comme ça, ceux qui ont le temps, bah, vous regardez les vidéos complètes de chaque élément. Ceux qui hésitent qu'entre deux éléments, bah, vous regardez les vidéos que liées aux deux éléments que vous hésitez. Et voilà, et ceux qui regardent le bilan et qui disent ah, ok, ouais, je pense prendre ça, bah, vous pouvez quand même, ou si vous hésitez entre deux trucs, vous pouvez quand même regarder les vidéos qui sont liés à ces deux trucs pour vous donner un avis un peu plus définitif. Attention! Pour voilà, vous aider à trancher en fait. Donc c'est un peu l'intérêt de cette semaine. C'est vous faire des petites vidéos, vu que là, voilà, comme vous le savez, je suis en cours et vous avez pu remarquer, quand je suis au travail, j'ai beaucoup de trajets, mais en cours, j'ai que 5-6 minutes pour parler. Donc je vais en profiter pour faire des courtes vidéos. Et c'est exactement, c'est parfait. Cette semaine, le thème est parfait. On arrive sur Noël, commence à avoir des offres. Ceux qui hésitent à faire un achat type gyro-roue, gyropode, etc. Si vous pouvez attendre, attendez, parce que je pense que mes vidéos pourront vous aider et qu'elles auront vraiment un réel intérêt. Je vous parlerai de tout ce que je suis capable de, tout ce que je sais, tout ce que je suis capable de vous informer. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à des messages Facebook, je réponds à tout tout de suite, quasiment au maximum quelques semaines, quelques jours, quelques heures de délai, mais grand maximum, je réponds quasiment tout de suite en général. Donc n'hésitez pas, franchement, parce que voilà, peut-être que certains ont des questions, même si ça peut paraître des questions bêtes, n'hésitez pas. Puis des fois, ça peut me donner une idée, un thème de vidéo à faire. Et voilà, donc ça pourrait peut-être, vous serez peut-être à l'honneur dans une prochaine vidéo que j'aurai fait grâce à vous. Merci bien! Donc voilà, je vais pas tarder à vous laisser. Là c'est bien, on roule un peu, on parle tranquille. Ça fait du bien aussi de rouler un peu ici, ça change un peu de ma zone industrielle et c'est sympa pour vous aussi de changer un peu de paysage. Donc j'espère pouvoir faire ça dans la semaine facilement. Parce que voilà, une vidéo par soir, c'est ce que je fais actuellement, mais c'est vrai que quand je suis en cours, je termine un peu plus tard et je commence à avoir de plus en plus d'heures de conduite. Donc j'ai moins en moins de temps pour préparer les vidéos. Ce matin, très intéressant, je suis tombé sur des pompiers qui révisaient le camion et il y en a un qui a essayé. Donc j'espère que la prise de vue sera pas trop mal. Même si voilà, vous savez qu'il n'y a pas le micro le matin. Pardon. Voilà, super dangereux, je prends le casque et qui coûte pas. Pardon. Merci. Ah, c'est les gens, franchement, c'est les plus dangereux parce qu'ils vous écoutent pas du tout, ils font pas du tout attention à vous. Attention. Hop. Merci. Et du coup, il faut faire vraiment attention à ces gens-là avec des casques. Voilà, j'en profite au passage pour vous faire un petit message à ce sujet. Franchement, les gens qui ont des écouteurs, ça se voit pas forcément de dos, surtout les filles ou des hommes avec des longs cheveux. On voit pas trop qu'ils ont des écouteurs, mais ceux qui ont des casques, ça se voit. Et prenez en compte qu'ils vous entendent pas du tout, d'accord? Faut vraiment faire attention. Je vous laisse ici, j'espère que vous avez passé un moment. Allez, bye bye.